Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un livre. Et mes amis, quel livre! Il est tout simplement magnifique. C'est le livre La fabuleuse histoire de la magie et de la sorcellerie d'Isabelle Fougère et édité aux éditions Larousse, qui me l'ont envoyé d'ailleurs pour pouvoir le partager avec vous. Je vous avoue, quand je l'ai vu, j'ai eu un réel, réel, réel coup de cœur. Ce livre est tout simplement magnifique. C'est un bon, on connaît déjà bon tout ce que fait Larousse, hein, les encyclopédies, etc. Mais ici, c'est vraiment une encyclopédie. Ben, du coup, qui va nous parler de l'histoire, de la magie et de la sorcellerie. Et bon, c'est vraiment un gros bébé. Il est très très lourd. C'est vraiment un beau livre, quoi. Voilà la tranche ici. Et je vais vous lire du coup ce qui est écrit au dos. Il est tellement grand que j'étais obligée de me mettre debout à mon bureau pour pouvoir monter la caméra pour que vous voyez bien du coup l'angle. Alors, découvrez la fabuleuse histoire de la magie et de la sorcellerie dans le monde et à travers les âges. Depuis l'Antiquité, avec les figures de Circé et d'Hécate, la magie est présente partout. Magiciens, magiciennes, sorcières, illusionnistes, jusqu'aux mentalistes et aux spirites, ils ont enchanté chaque époque de leur sort et de leur tour qui ont fait frémir les plus rationalistes d'entre nous et tourner toutes les tables. Tour à tour, objet de fascination ou d'opprobre, ils ont modelé notre imaginaire en révélant des questions sociétales bien réelles et des croyances légendaires. Quête de réenchantement du monde, souhait d'un retour à la nature, mais aussi revendications féministes et progressistes. À travers des personnages aussi fascinants que mystérieux, cet ouvrage, magnifiquement illustré, raconte l'histoire merveilleuse des pratiques et des enchantements, à la découverte des plus grands magiciens, sorcières et illusionnistes. De Michel Chaudron à Allan Kardec, en passant par Nostradamus, Houdini et les grandes figures de la magie moderne. Pouvoir des cristaux et des plantes, influence des astres, numérologie, développement de la voyance, naissance de la magie, d'illusion et de la prestidigitation. Tous les secrets de la magie enfin révélés. Un livre magique. Et il est au prix de 29,95 €. Oh! Voilà. Bon, du coup, on va l'ouvrir ensemble. Je vous avoue que moi, j'ai déjà commencé. C'est vraiment le livre que je prends quand j'ai un peu de temps devant moi, je me mets dans mon fauteuil avec mon plaid. En général, mes chiens sont à côté de moi et je lis quelques pages parce que franchement, je le trouve, il se déguste, quoi, tellement il est beau. Voilà, donc on a le sommaire avec, pour commencer, Moïse face aux magiciens, la magie dans la Bible. La magie des dieux, la magie dans l'Antiquité, la science des étoiles, prédilection et divination, la magie au Moyen Âge, Michel Chaudron, les derniers feux de la chasse aux sorcières, Giordano Bruno et les secrets de l'univers, la magie à la Renaissance, Catherine de Médicis et l'occultisme, la légende noire, de Nostradamus à Ruggieri, les diseuses de bonne aventure entre ombre et lumière, voyance et magie au XVIIIe siècle, la physique amusante et les débuts de l'illusionnisme, la magie au XIXe siècle, Jean-Eugène Robert Houdini, la magie de spectacle, et là c'est la magie au XIXe siècle, non là j'ai dit 18, c'était XVIIIe, je me suis trompée. Du coup au XIXe, de New York à Paris, la photographie spirite. Naissance du spiritisme au XIXe siècle. Ensuite, le petit Albert et le grand Albert, des grimoires atemporels. Les livres de la magie. Bon, je crois que tout le monde a déjà entendu parler du petit Albert et du grand Albert. Howard Thurston, le roi de l'illusion, la magie au XXe siècle. David Copperfield, le magicien qui n'a pas de limite, la magie moderne. La magie nouvelle, un art contemporain. Là, c'est la magie du XXIe siècle. Mentalisme, une magie d'influence, une nouvelle forme de magie. Et pour finir, magie du cinéma et magie au cinéma et les sources. Voilà. Bon, et comme vous le voyez, bon, ici on a un avant-propos. Mais il est vraiment magnifique. C'est vraiment un livre de collection. Et voilà, ici on commence avec Moïse face au magicien. Et là, bah, ça va nous parler. Ben justement de Moïse à l'époque des pharaons. Voilà. Et c'était très intéressant, je vous avoue. C'était la partie que j'étais en train de lire, hein, quand il a
avec toutes les plaies, les 10 plaies d'Égypte, voilà, qu'il a infligées au pharaon pour pouvoir libérer son peuple. Voilà, et vous voyez, bon, ça fait très vieux livre, encyclopédie, voilà, pour vous montrer quelques pages. Ici, la magie des dieux. Il est vraiment magnifique, ce livre. Et pour découvrir, bah, du coup, bah, voilà, mon signet est encore là. Là, d'ailleurs, c'est le signet de ma belle Founé des cartes de la Lune. Voilà, si tu passes par là, je te fais un gros bisou au passage. Voilà. Enfin, vous voyez, il est vraiment très, très beau. Bon, c'est pas un livre qu'on va lire d'une traite, évidemment, mais posé à son aise quand on a le temps. Moi, j'aime bien, ça m'intéresse. Voilà. Et il est illustré. Regardez-moi ça, comme c'est beau, les illustrations. Enfin, moi, franchement, j'ai eu un coup de cœur. Quand je l'ai vu, je me suis dit, waouh, ouais, il est super intéressant. Voilà. Voilà, nouvelle vision. Je vous montre quelques pages comme ça. Je ne vais pas vous montrer toutes les pages non plus, mais comme ça, vous voyez un petit peu le style, bah, d'illustration. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Et ici, on a Catherine de Médicis et l'occultisme de la légende noire. De Nostradamus à Ruggieri. Moi, j'aime beaucoup. C'est un sujet qui m'a beaucoup intéressé, les prophéties de Nostradamus. Voilà, qui est ici, du coup. Hein. Voilà, vous voyez. Et il y a énormément, bah, de choses à découvrir, évidemment. Franchement, c'est un livre à s'offrir ou à offrir, je trouve. Vraiment. Mais Larousse fait toujours de très beaux livres. Et bon, évidemment, il y a la magie aussi, comme ici, Houdini, célèbre magicien, qui, à notre époque maintenant, c'était le David Copperfield. C'est marrant parce que j'en parlais à mon fils en semaine, à mon plus petit, je ne sais même plus pourquoi, parlait de magicien et je parvenais plus à revenir sur le nom de David Copperfield. Et ben voilà, je pourrais lui dire tout à l'heure. Voilà. Voilà, tous des magiciens, hein, qui ont été connus avec des vieilles affiches, je trouve ça super chouette, quoi. Ici aussi, avec des animaux. Ben voilà, ce n'est pas que sur la magie, la sorcellerie, c'est vraiment sur l'histoire de la magie, des illusions depuis, ben depuis très très longtemps, sur l'historique jusqu'à maintenant, avec la magie moderne, mais magie, illusionnisme, etc. Voilà, ici on est dans la partie magie du cinéma. Et c'est super intéressant. Voilà, regardez les vieilles illustrations. Moi, j'adore. Avec les vieilles caméras. Enfin, voilà. Il est vraiment magnifique. La magie dans les films, par exemple. Et ici, on a plein de films et ça me donne envie de les revoir. Vous voyez, Les Sorcières de Salem, je ne l'ai jamais vu. Mais Merlin l'Enchanteur, Mary Poppins, Lady Hawk. Qu'est-ce que j'ai regardé ce film quand j'étais plus jeune? Ça fait très longtemps que je ne l'ai plus vu. Vous devez connaître, hein? Avec ce couple qui a eu un mauvais sort et lui se transforme en loup le jour, je crois, et elle en faucon la nuit ou inversement. Et ils arrivent jamais à se retrouver, ben, hommes et femmes, au même moment, malheureusement. C'est une magnifique histoire. Bon, les sorcières d'Eastwick, Willow, grand classique, qu'est-ce que j'ai regardé ça aussi. Princesse Mononoké, les ensorceleuses, évidemment, avec Midnight Margarita. Enfin, voilà. Et franchement, regardez ici, dans le château ambulant, j'adore ce film. Un truc japonais, évidemment. Et puis on a des sources, les crédits iconographiques, etc. Voilà. Enfin, franchement, si vous avez envie de vous offrir un beau livre et d'en savoir un peu plus, ben, du coup, sur l'histoire de la magie, mais pas que la magie des sorcières, aussi la magie dans les films, etc. Franchement, ce livre est un bijou. Il est magnifique. Moi, je prends beaucoup de plaisir à le lire. Voilà. Du coup, j'avais très envie de vous le présenter. Peut-être que ce sera une belle découverte pour vous aussi. Et je sais que vous aimez bien quand je vous présente des livres aussi et l'intérieur, comme ça, vous pouvez voir le contenu du livre et voir si ça vous plaît ou pas avant de l'acheter ou pas. Voilà, bah du coup, dites-moi en commentaire si vous avez vu passer ce livre, si vous avez peut-être déjà craqué, ce que vous en pensez, si vous le trouvez chouette aussi ou pas. Comme ça, on discute de tout ça dans les commentaires, comme d'habitude. Pour le reste, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!